chapitre 47. Alors, aujourd'hui, de l'ego. Nous allons parler de l'ego. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. L'homme est doté d'un ego, égal en lui en tout point, en devoir et en droit, logé comme une taupe au fond de son esprit. Le siège de l'ego est l'ombril. Que font les hommes? Les hommes s'entre-arrosent les égos avec des arrosoirs à égos. L'essentiel de leur activité semble tourner vers cet objectif. L'homme est un animal doué de flamme et de déraison. Les hommes s'entre-arrosent les égos. 1. Avec des arrosoirs à égos. 2. En se léchant de leurs diverses langues. On pourrait penser qu'ils se servent à cette fin du tuyau qui est enroulé dans leur corps, hein, et en particulier les plus assoiffés de l'ego, dont un des bouts du tuyau est précisément doté de ce petit arrosoir-là. Mais non. Lorsque l'homme, désireux d'un peu de rabe, tente de s'arroser soi-même, il ne réussit qu'à se pisser dessus. L'homme a toujours raison. Remarque, les hommes-hommes requiert de plus grandes quantités d'eau d'ego que les hommes-âmes. L'explication plus tard. La seule eau d'ego efficace est celle fournie par la langue, ou langage, que les hommes s'appliquent directement avec leur langue et dont ils font des réserves dans les arrosoirs à ego. Arrosage en direct, conversation, regard appuyé, bonjour, bonsoir. Arrosage différé, réunion, débat, opéra, vidéo minute, livre, offre publique d'achat. Un ego a toujours grand soif. L'homme lui-même dressé dresse son ego à percer de minuscules petits trous dans l'ego des autres détenus. Hein? Les autres détenus regardent et parfois aussi utilise son ego pour créer. L'ego de l'homme est entièrement à son service, tout à l'ego. Et pourtant, l'homme lui remet bientôt les clés. Voyez les égos qui croissent et fructifient. Lorsque l'ego est très gros, il importe qu'il demeure maniable. On fait alors appel à l'égonomie. L'appareil me permettant de mesurer la taille de l'ego est un égomètre. Certains, pour transporter leur ego, doivent faire appel à des brouettes